Voyez, mes amis, des fois, nous avons des chocs dans la vie et nous perdons beaucoup de choses. La maladie d'un parent que nous aidons, d'un ami ou la nôtre, ou un autre problème quelconque. Le roi David a écrit le psaume 71-21. Voyez quelle belle parole bénie. Accrois ma grandeur, console-moi de nouveau. Vous avez été méprisé. Dieu va vous augmenter à nouveau, va augmenter votre grandeur. Et de nouveau, il va vous consoler, vous faire revenir avec une force si grande, avec un pouvoir si merveilleux, que l'ennemi va trembler quand vous commencerez à prier, exiger qu'il parte. Cette personne a reçu la bénédiction. Depuis 10 ans que je vis avec mon pied dur, car il est devenu dur à travers un ulcère que j'ai depuis plus de 20 ans ici à la jambe. Et qu'est-ce qui s'est passé de bon pour vous? C'est mon pied, il s'est assoupli. Assoupli le pied qui était dur? Avant, elle ne remuait pas son pied, mes frères. Et maintenant, elle peut le remuer. Voyez cela. 10 ans. 10 ans que vous ne remuez pas le pied. Vous pouvez marcher à présent. Ôtez la sandale et marchez ici, sans la sandale. Marchez sur l'autel de Dieu. Voyez ça, mes amis. Avant, comment est-ce que c'était pour marcher? Comme ça. Marchez normalement. Au retour, vous êtes encore plus fort. Allez, marchez. Dieu va vous fortifier maintenant. Allez par là. Allez par là. Venez ici, au nom de Jésus. Voyez quelle bonne chose. Oh, gloire à Dieu. À présent, je veux prier pour que vous ayez tout ce que Dieu est en train de dire. Père, augmente la grandeur de cette personne. Oh mon Dieu, et de nouveau, console-la. Cette situation négative, triste, humiliante, ne peut pas continuer. Au nom de Jésus, j'attache toute la force maligne qui est dans votre vie et je dis dehors, au nom de Jésus-Christ.